On a aussi fait un bon projet avec toute l'équipe qui nous encadrait. C'était vraiment chouette parce que c'était en rapport avec l'artiste, la nature. Donc ça nous a fait découvrir ce qu'on pouvait faire en dehors de lire. J'ai beaucoup aimé, moi j'aime bien la forêt, donc le principe de jouer avec les écorces et les feuilles, c'était bien. À Dieu, des croyances, de la création et un long voyage, c'est quelques mots qui définissent la personnalité d'Anna. Moi, ce que j'ai aimé principalement, c'était l'histoire qu'elle avait traversée, sa vie. Ça a dû être un choc pour elle de devoir quitter sa famille ainsi que les autres enfants de son pays et qu'elle se retrouve dans un pays où elle ne parle pas sa langue. Moi, j'ai adoré, surtout qu'en fait, on voyait bien qu'elle voulait montrer qu'elle faisait partie de la nature et qu'elle était comme tout le monde. Et en même temps, elle respectait la nature et que, voilà. L'arrachement de sa terre natale, le fait qu'elle a dû s'habituer sans ses parents, dans un pays qu'elle connaissait pas, qui parlait une autre langue, qu'elle ne comprenait pas du tout, et que à côté de ça, elle était jugée, il y a eu beaucoup de racistes, et que du coup, comment elle s'en est sortie, quoi. L'expo, je l'ai bien aimée. L'histoire de Anna Mendieta m'a beaucoup marquée. Je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé chez elle. Aussi, j'ai bien aimé le fait qu'elle mélange toutes les religions pour en créer quelque chose de nouveau. Aussi, c'est très intéressant comment elle essaye de mélanger la nature avec l'humanité et les bâtiments et tout. On pourrait dire que ça en fait un chaos, mais elle arrive à le contrôler. J'ai bien aimé aussi le fait que la panacée a dû parfois refaire des œuvres parce qu'on ne pouvait pas les transporter. C'était bien parce que on a parlé beaucoup de la vie de Anna Mendieta et donc j'ai pu apprendre beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses aussi. On a vu beaucoup de photos, mais aussi parfois du sable avec des coquillages et ça formait toujours un être humain, un symbole d'être humain, une trace d'être humain, donc une silhouette, voilà, une silhouette. Elle nous a expliqué comment elle avait fait tout ça et quand, quel moment de sa vie elle avait fait ça et pourquoi. J'ai trouvé ça touchant. Qu'elle se montre autant, c'était impressionnant, que le courage et tout de faire ça. Ça évoquait quand même quelque chose aussi, le fait qu'elle se mette avec autant de nature. Elle jouait beaucoup avec les émotions, le visuel, et je trouvais ça super intéressant de découvrir un art autre, avec des matériaux très proches de nous, au final. Et j'ai trouvé que c'était intéressant l'idée de laisser une trace de son corps dans le sable. Et voilà. Captivant. Captivant. Vraiment, toute l'histoire qu'a eu cette femme et tout ce qui est retranscrit dans cette œuvre, je trouve ça aussi puissant, très puissant. Ce serait mes deux mots pour décrire l'exposition, c'est puissant et captivant.
Thank you.
Thank you.